il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu. C'est là qu'on se vide, qu'on chasse de soi tout ce qui n'est pas Dieu et qu'on vide complètement cette petite maison de notre âme pour laisser toute la place à Dieu seul. Les Hébreux ont passé par le désert. Moïse y a vécu avant de recevoir sa mission. Saint Paul, Saint Jean Chrysostome se sont aussi préparés au désert. C'est un temps de grâce, c'est une période par laquelle toute âme qui veut porter des fruits doit nécessairement passer. Il lui faut ce silence, ce recueillement, cet oubli de tout le créé, au milieu desquels Dieu établit son règne et forme en elle l'esprit intérieur, la vie intime avec Dieu, la conversation de l'âme avec Dieu dans la foi, l'espérance et la charité. Plus tard, l'âme produira des fruits exactement dans la mesure où l'homme intérieur se sera formé en elle. On ne donne que ce qu'on a, et c'est dans la solitude, dans cette vie seule, avec Dieu seul, dans ce recueillement profond de l'âme qui oublie tout pour vivre seul en union avec Dieu, que Dieu se donne tout entier à celui qui se donne ainsi tout entier à lui. Donnez-vous tout entier à lui seul, et il se donnera tout entier à vous. Regardez Saint Paul, Saint Benoît, Saint Patrice, Saint Grégoire le Grand, tant d'autres. Quel long temps de recueillement et de silence. Montez plus haut, regardez Saint Jean-Baptiste, regardez notre Seigneur. Notre Seigneur n'en avait pas besoin, mais il a voulu nous donner l'exemple.